En bas à gauche, vous avez une petite icône. Oui. Avec marqué démarrer vidéo en espagnol. Je ne parle pas français. Así, allí, está bien. No, 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 la cámara. En español se debe activar la cámara. Ahora, ahora. C'est le son. Non, ça marche pas. Vous a, en fait, le, la vous caméra, avez... c'est juste à côté du son pour réactiver. Pour activer, vous avez une petite icône avec un micro et un, une icône avec une petite caméra. Pregunta, ah non. A ver, je suis assez nul pour ces questions. Altavoz, altavoz, micrófono. Speaker. Profesora Madariaga, hay un icono abajo a la izquierda que es activar el vídeo. Si usted mueve el ratón, abajo. Ah, desactivar el. Activar el vídeo. Es mi icono en una cámara. No, él desactiva el micro. A ver. Ahora. Al lado, al lado. ¿Lo del micrófono? Je vais rallumer le micro. Profesora Madariaga, están los dos iconos están juntos, el del micrófono y el de la cámara. Se activa el micrófono, el de la cámara está al lado. No sé si me oye ahora mismo. Donc, si déjà le micro, peut-être. Ouais. Déjà le micro, je vais faire un peu dans le micro. Si. Réabrir. C'était déjà bon avec le micro, déjà. On a le micro. Ah, il y a Rosa, vous nous entendez? Et j'entends tout, mais, je n'ai, mais vous ne m'entendez pas. Je vous entends, ne touchez plus à rien. Si voilà. Oui, oui, j'entends tout. Et juste au lado de la cámara de dar à activer le micrófono, sí. Está el icono de la cámara. Si le da ahí, podremos verla. Yo no veo el icono. Aquí abajo, a mano izquierda, no veo icono. Desactivar audios y activar audios. ¿Y cámara? Es que no la veo. Je crois on peut continuer comme ça parce que la dernière fois on avait une séance comme ça et il y avait des problèmes avec le caméra. Elle avait le problème. D'accord. Oui, mais vous m'entendez? Oui, Maria. On vous entend. Mimoun, je vous laisse la parole. Oui. Quedamos así, Maria. ¿Recuerdas la última vez? Quizás había, tenías ya problema, el mismo problema, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, bueno, entonces, lo importante es que se me oiga, aunque no se me vea, ¿no? Sí, sí. Donc, él dice que au moins on va travailler comme ça, donc, avec le son déjà, sans image. D'accord. D'accord. L'important, c'est que vous m'entendez. D'accord. Donc, je peux commencer. Aurélia m'a donné l'autorisation. Donc, je me réjouis aussi également de voir Maria Rosa avec nous. Donc, ce panel intitulé « Histoire du mouvement Rifin ». Nous avons deux intervenants, Maria Rosa de Madariaga et Mathieu Marly. Donc, je commence par présenter Maria Rosa de Madariaga, un peu d'histoire, c'est toujours que j'ai connu juste après la présence de sa thèse sous la direction de Pierre Villard, le grand hispaniste. La thèse portait
sur l'Espagne et le risque pénétration coloniale et résistance locale en 1988, présenté à Paris, à l'Université Paris 1. Le travail a été publié en espagnol, traduit par elle-même, sous le nom Historia, comment se llama, perdona. Casi olvidada. Ah, sí, el RIF de España, una historia casi olvidada. Una historia casi olvidada. L'Espagne et le RIF, chronique d'une histoire presque oubliée, sa traduction. Maria Rosa est par excellence la grande spécialiste en Espagne et aussi au Maroc, parce que ses travaux ont été traduits en arabe, la plupart des sous-ouvrages ont été traduits en arabe. La grande spécialiste du thème des relations hispano-marocaines, mais aussi spécialement de la guerre du Rif et d'Abdelkrim al-Khattabi. Son ouvrage, Abdelkrim al-Khattabi, La lutte pour l'indépendance, La lucha por la independencia, a été traduit en arabe en 2010, donc est très connu au Maroc. Elle l'a présenté dans tous les centres de Cervantes au Maroc. Parmi d'autres ouvrages, Los Moros que trajo Franco sur la guerre civile espagnole, sur les participations, plus exactement, des Marocains dans la guerre civile. Un autre, c'est El Barranco del Lobo, Las Guerras de Marruecos, le ravin, la guerre du Maroc, sur la guerre 1911-1912 au Maroc dans le Rif oriental. Et deux ouvrages caractère général sur le Maroc, Marruecos, este gran desconocido. Donc ça, c'est Maria Rosa, la grande spécialiste de l'histoire hispano-marocaine et du RIF. Nous allons l'écouter et nous parler sur quelques considérations sur les tarifs. Donc, il va parler à toi la parole, Maria. Bonjour. Je m'excuse de ne pas pouvoir me voir, mais vous m'entendez, ce qui est important, c'est que vous m'entendiez. Et j'ai intitulé ma contribution « Quelques considérations sur les tarifs ». Et je vais me référer à comment on est passé de la tribu à l'État-nation. Et pour la plupart des populations berbères du Rif, les sens d'appartenance tribale étaient, les sens de leur appartenance étaient tribales. Les concepts de nation et d'État, comme nous l'entendons, correspondent à un vocabulaire laïque que les pays de tradition islamique ont pris de l'Occident. Dans le Coran, nous trouvons les mots « umma » dans le sens de « peuple » ou « nation », dans le même sens qu'il y a dans la Bible, basé foncièrement sur des caractères ethnico-tribaux. « Umma » passa par la suite à désigner la communauté islamique « al-Ummat al-Islamiyyah » le mouvement nationaliste arabe donna au mot sa signification laïque de nation en référence essentiellement à la nation arabe, à l'Ummat al-Arabiyya. Ce sera ces sens de nation coïncident avec les sens modernes de nation dans les pays occidentaux. Nous avons que les sens modernes des nations remontent à la Révolution française, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Pour ce qui concerne le terme État, Daula signifie en premier lieu en arabe dynastie, d'où par la domination d'une dynastie sur un pays ou un territoire, qu'on pouvait atteindre les dimensions d'un empire, ce terme a fini par désigner en arabe l'État. Mohammed ben Abdelkrim eut donc le mérite d'introduire ces deux concepts étrangers en tant que catalyseurs de l'unité tribale.
l'unité réfaine s'inscrivait donc dans l'idée d'une nation caractérisée par le sentiment commun d'appartenir à la même culture, au même peuple, en tant qu'entité supérieure à celle de la tribu. Les concepts de nation n'existaient pas à niveau collectif. Il était seulement compris d'une minorité cultivée au courant des événements politiques mondiaux, bien informés tant dans les pays occidentaux que dans les flux décidés de qui secouaient le monde arabe et islamique à l'époque. Contrairement à d'autres chefs de la résistance rifaine qui l'ont précédé, Mohammed ben Abdelkrim al-Khattabi se proposa de populariser ses idées parmi les tribus rifaines, essayant de dépasser les sentiments d'appartenance tribale et d'avancer vers l'idée de nation. Mohammed ben Abdelkrim espérait que le sentiment national pouvait être créé par la lutte commune à mesure que le nouvel État établissait ses structures de pouvoir. Ces modèles d'unité politique et administrative d'un genre différent qui dépassaient les limites de la confédération tribale fit sans doute l'œuvre de Mohammed ben Abdelkrim, qui fit par ailleurs le premier à poser le problème de la légitimité et de la légalité des pouvoirs en faisant appel d'une part à sa reconnaissance par les tribus comme émir du Rif et d'autre part en essayant d'obtenir une reconnaissance sur le plan international en tant que chef du nouvel État rifain. Expression les plus, je me réfère à présent aux expressions les plus utilisées par les dirigeants rifains pour désigner les nouvelles réalités. Les expressions les plus utilisées pour se référer aux habitants du territoire dans les documents officiels rifains ne sont plus tribus rifaines, mais le peuple rifain. Ces expressions reflètent la nouvelle réalité politique et sociale du nouvel État. Elles sont plus ou moins les mêmes que nous trouvons dans la lettre adressée par Mohammed ben Abdelkrim par Mohamed Azer Khan, ministre des Affaires étrangères de la République du Rif, à Diego Saavedra, secrétaire général du Haut Commissaire de l'Espagne au Maroc, 21 juillet 1923. Le peuple rifain, Ash'ab al-Rif, l'État rifain, Dawlat al-Rif, et gouvernement rifain, Al-Hukumat al-Rifiya. L'expression plus répandue du gouvernement rifain a été fréquemment utilisée pendant la conférence d'Oujda, avril-mai 1926, par les délégués rifains Mohamed Azer Khan, Hadou Ben Hamou et Mohamed Cheddi. Ces derniers, dans une déclaration du 29 avril 1926, il refusa de retenir le mot « tribu » utilisé par les délégations françaises et espagnoles et demanda à être remplacé par la formule « gouvernement rifain et population ralliée ». Dans toutes les propositions soumises par la délégation rifaine, l'accent a toujours été mis sur l'existence d'un gouvernement rifain basé sur des lois et doté d'une armée prête à défendre son territoire. La République du Rif ou République rifaine. La dénomination République rifaine en arabe Dawlat al-Jumhuriya Rifiya, État de la République rifaine, dans des caractères latins et sceau dans des caractères arabes, paraissent de plus en plus dans des contrats commerciaux
ou minier en espagnol, français ou même en anglais, comme celui signé le 30 avril 1923 en tant que déclaration d'État et proclamation à toutes les nations par le gouvernement de la République du Rif le 1er juillet 1923. Même si les gens avaient entendu parler de la République rifaine avant 1923, sa proclamation officielle eut lieu à la date sous-mentionnée, c'est-à-dire le 1er juillet 1923. C'est important à signaler que Mohamed Ben Abdelkrim utilisa le mot « république » seulement à l'usage extérieur et que des documents officiels qui portent en tête Dawlat al-Jumhuri al-Rifiya, État de la République du Rif, étaient toujours adressés à des puissances étrangères ou à la Société des Nations. Pour les dirigeants rifains, république dans le sens du système politique semblable à celui en vigueur dans plusieurs puissances occidentales, donnait au nouvel État un caractère moderne et démocratique capable de susciter la sympathie des pays européens avec les mêmes genres de gouvernement ainsi que celle des secteurs progressistes espagnols. Un rapport sur l'organisation du RIF sous Abdelkrim de la résidence générale française à Rabat du 1er décembre 1921 disait au sujet de cette question. Avec les puissances étrangères, Abdelkrim a innové lorsqu'il a essayé d'intéresser le gouvernement étranger à sa cause en se manifestant comme le chef d'une république rifaine qu'il avait soin de représenter sous la forme d'un gouvernement solidement établi, émanant de la volonté populaire et conformément aux principes généraux de démocratie européenne en général et aux principes wilsoniens en particulier. Pour lui, les traités qu'il connaît n'ont pas de valeur. Il repousse le protectorat espagnol et français et invoquant les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, prétend que les pays s'étendant de Chefchaouen au Caire a droit à l'indépendance. Les démissions administratives et militaires du territoire. Mohamed Ben Abdelkrim établit dans chaque secteur un bureau administratif et militaire appelé Mahkama, qui était à son tour en contact avec la grande Mahkama ou siège social à Jdir, capitale de l'État rifain, par un réseau téléphonique. Les Mahkama établis dans les territoires libérés étaient 4. Comme j'ai dit, ils étaient tous ralliés par des téléphones, par la voie téléphonique à la grande Mahkama d'Ajdir, qui était la capitale de l'État rifain. Maria, tu m'entends? Si, oui. Oui, oui, je t'entends très bien. C'était juste pour te signaler le temps de parler, parce que je sais que tu aimes bien parler. c'est combien? 20 minutes, Aurélia? 25? Oui, c'est ça, 20 minutes. 20 minutes, Maria? Donc, oui, attends, j'ai oublié quand est-ce que j'ai commencé. Ah non, c'est à moi de le dire. Il me reste combien de minutes? 15h40, tu as commencé. C'est ça? Il reste 5 bonnes minutes. 5, c'est tout. Allez, 7, 8 minutes. 5 minutes? Ouais. Oh là là. Les Mahkama, c'était donc des régions civiles et militaires, et ceux qui étaient à leur tête étaient une sorte de gouverneurs civils et militaires en même temps, sans oublier d'autres fonctions administratives importantes comme l'administration de la justice. Dans ce sens, il est intéressant à noter que le mot arabe utilisé pour désigner ces divisions administratives, militaires et judiciaires, Mahkama, littéralement cour de justice,
dérive de la racine Hakama, qui implique l'idée de juger et de gouverner en même temps. En même temps, il ne faut pas oublier qu'Abdelkrim était un juriste. Il avait appris les lois, la législation islamique à la grande mosquée, à la grande madrasa de Al-Karawiyyin à Fès. Nous ne savons pas grand-chose sur le fonctionnement pratique de ces mahkamas. Mais c'était intéressant que lorsque l'administration coloniale s'est établie, il conserva les mahkamas. Moi, une fois, j'ai parlé avec un militaire espagnol et je lui dis comment Abdelkrim avait établi comme division administrative pour les différentes régions du Rif et le mot Mahkama. Et il a dit, mais c'est où nous utilisons toujours le mot Mahkama. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la division administrative d'Abdelkrim. Abdelkrim, de ce moment-là, a facilité leur boulot. L'armée rifaine. J'ai dit quelques mots sur l'armée rifaine parce que je trouve que les forces de sécurité, afin de garantir l'ordre intérieur, et les forces armées pour défendre les territoires contre une agression extérieure, sont inhérentes à la souveraineté des États. De sorte qu'Abdelkrim considéra nécessaire de se doter de ces institutions en tant que moyen d'assurer la structure du nouveau régime. L'armée était essentiellement composée de combattants irréguliers, c'est-à-dire les Harka. Mais à la différence de ce qui s'est passé avant l'arrivée d'Abdelkrim dans le mouvement de résistance intérieur à Abdelkrim, c'était des coalitions tribales qui disparaissaient une fois que les périls extérieurs disparaissaient. Alors qu'Abdelkrim a essayé d'établir une armée permanente. Cette armée permanente était une armée et la plupart ça continue à être des combattants irréguliers. Mais ces partisans étaient organisés par les caïds de la tribu, un groupe de 25, 50 et 100 dont les chefs parvenaient prenez le nom de Kaïd Hamza ou Ajlin, 25, Kaïd Hamsin, 50 et Kaïd Mia, 100. Il y avait dans chaque tribu plusieurs chefs militaires selon le nombre d'hommes sous leur commandement. La levée s'est faite en partant de la base que tout homme valide, c'est-à-dire qui est capable de faire de suivre le jeûne du Ramadan était recrutable. Donc, le recrutement s'est fait et c'était très dur de partenir à cette tribu, à cette armée, parce que les conditions étaient très sévères. La question, c'est quelques mots sur la question des rapports de Mohammed Ben Abdelkrim et le sultan. La question de la loyauté, ou plutôt soumission de Mohammed Ben Abdelkrim à Moulay Youssef et la rébellion contre son autorité a soulevé beaucoup de polémiques. Tout mène à croire que Mohammed Ben Abdelkrim n'a jamais essayé d'occuper la place du sultan et que son opposition à Moulay Youssef obéissait à la soumission de ce dernier à la France. Si le sultan s'était adressé à tous les Marocains pour combattre le colonialisme, il n'y aurait pas eu de conflit. En tout cas, le mouvement rifain dirigé par Mohammed Ben Abdelkrim n'était pas un mouvement sécessionniste. Il s'attendait à ce que d'autres régions du Maroc suivraient le mouvement rifain. Mais ceci ne s'est pas produit et l'affrontement avec les sultans fut donc inévitable. Quelques considérations finales. Quelques-unes des réformes introduites par Mohammed Ben Abdelkrim, et particulièrement l'organisation des structures du gouvernement tribal, ont été maintenues par l'administration coloniale espagnole, comme je disais tout à l'heure.
une fois achevée la guerre d'Irie. C'est dans ce sens que Mohammed Ben Abdelkrim rendu leur boulot plus facile, même si les caïds qu'il avait appuyés furent bien sûr remplacés par d'autres partisans du pouvoir colonial, ils furent cependant nombreux à changer opportunément de camp et garder leur poste. Il est difficile de savoir comment cet état embryonnaire aurait évolué, étant donné le contexte international de ces années, il n'est pas possible d'imaginer qu'il aurait pu réussir comme un état indépendant. Mais dans la brève période de son existence, grâce à l'unité créée, contribua à rendre possible de dépasser l'état tribal, l'esprit tribal et de susciter dans la population le sentiment d'appartenir à une nation. Et c'est tout. J'ai fini ici. Je voudrais saluer, puisque vous avez parlé de congrès de 1973, je dois dire que j'ai participé à ces congrès et j'ai salué Daniel Rivet qui a été aussi, lui, je crois que le seul qui, à part moi, qui a participé à ces, nous sommes des vétérans. Gracias, Maria. Un saludo. Merci, Maria. Le respect du temps, elle a parlé 15 minutes exactement. C'est magnifique. C'est très bien. C'est la première fois que j'observe le temps strict. Très bien. Merci énormément, Maria Rosa, pour ces considérations précieuses sur l'état rifin, bien clair. L'apport de Maria Rosa qui se base sur une documentation bien fouillée d'archives. Il nous a montré comment on passe avec la création de la République tarifaine, de l'utilisation du terme tribu à l'État et l'utilisation de nouveaux termes qui apparaissent au lieu des tribus, le kaba'il. On utilise Sha'bou Rif, le peuple rifin, l'État rifin, Daoulat Rif, Hukoumat Rif, gouvernement rifin. Et puis, dans les correspondances, l'apparition de l'entête république rifaine. Pour finir, avec la relation d'Abdelkrim avec le sultan, une relation conflictuelle avec le sultan Moulay Youssef, parce qu'il était le sultan des Français. Et pour conclure, qu'Abdelkrim n'était pas un sioniste. C'est ce que je peux dire. Donc, merci énormément, Maria Rosa. Nous passons à un deuxième intervenant. Je ne le vois pas sur le panel. Mathieu Marly.